Les contes de Tonton Benoît. Le Jipaète Barbu et le loup. Maître Jipaète Barbu, sur un arbre perché, tenait en son bec un raclette à hausser. Maître Loup, par l'odeur alléchée, commence à lui causer. Hey, « Hé, toi là-haut, Jipaète, dis donc, t'as la monstre classe pour une bête. T'es la plus jolie des espèces protégées de Suisse. T'as la classe de Johnny au stade de Tourbillon en 2006. Quel est ton secret pour être joli garçon comme ça? Mais toi, tu t'habilleras bien chez CEA. Ton style bonheur est super chouette. De la région, c'est sûr que t'es la vedette. » À ces mots, le Jipaète, il se sent plus pissé. Alors, il commence à ouiner. Il entonne ni une ni deux, allumez le feu. Le loup saisit le fromage et il dit « Hé, bord ta bitch du machin, t'as beau avoir un joli plumage, t'es quand même pas malin. Et que ça te serve de leçon, faut jamais prendre les loups pour des... » Même si cette fin paraît déloyale, à cette fable il y a une morale. Que tu sois orgueilleux ou malin, devant un fusil ça change rien. Tu prendras quand même une seule cotson pour finir en paillasson.